le premier pas de l'homme sur la Lune. La NASA et la mission Apollo. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est plongé dans la période de la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS, l'Union soviétique, sont en compétition dans la course à l'espace. Et, au début des années 1960, l'URSS a déjà connu plusieurs succès. Pour essayer de s'imposer face aux soviétiques, les États-Unis créent la NASA, Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, en 1958. Une organisation qui vise à développer le programme spatial américain. C'est en 1961 que le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, annonce la création du programme Apollo, dont l'objectif est d'envoyer des hommes sur la Lune. Le vaisseau Apollo. Pour mener à bien cette mission, la NASA mène d'autres programmes spatiaux ayant pour objectif l'étude des difficultés à surmonter pour emmener des hommes sur la Lune. Le décollage, les manœuvres orbitales, l'alunissage, le retour sur Terre, etc. Ces programmes ont permis la création d'un vaisseau spatial adapté au programme Apollo. Plusieurs missions sont menées pour tester la sécurité des équipements, comme la combinaison des astronautes. Pour réussir à rejoindre la Lune, la NASA met donc au point le vaisseau Apollo. Ce vaisseau se compose de deux parties. La première partie est le module de commande et de service, ou CSM, Command and Service Module. Ce module permet aux astronautes de se déplacer de la Terre jusqu'à la Lune et de se placer en orbite autour de celle-ci. La deuxième partie est le module lunaire, ou LEM, Lunar Excursion Module. Une fois en orbite de la Lune, le LEM se détache du CSM pour aller alunir, avec les astronautes à son bord, sur le sol lunaire. C'est également le LEM qui permet de redécoller de la Lune et d'aller rejoindre le CSM qui ramène ensuite l'équipage sur Terre. Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune. Après des mois d'entraînement, le vaisseau Apollo 11 décolle le 16 juillet 1969. Trois astronautes américains sont à bord de ce vaisseau. Neil Armstrong, le commandant de la mission, Michael Collins et Edwin Buzz Aldrin. Après trois jours de vol, le vaisseau Apollo se place en orbite autour de la Lune. Michael Collins reste à bord du CSM. Neil Armstrong et Edwin Aldrin descendent sur la Lune à bord du LEM. L'événement est suivi en direct par 600 millions de téléspectateurs grâce à la télévision. Le 21 juillet, à 3h du matin, en France, Neil Armstrong devient le premier homme à poser le pied sur la Lune, suivi par Edwin Aldrin quelques minutes plus tard. Au moment où Neil Armstrong touche le sol lunaire, il déclare la célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Pour marquer la victoire des États-Unis sur l'URSS, les deux hommes plantent un drapeau américain sur la Lune. À leur retour sur Terre, Neil Armstrong et ses camarades sont accueillis comme des héros, acclamés par une foule de personnes, et leur exploit a déjà été raconté dans tous les médias. Dans l'histoire, seulement 12 hommes auront marché sur la Lune. En 2019, on fête le 50e anniversaire de cet exploit historique.